Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre à jour l'écran LCD de la N23 S1. C'est un peu différent de la N23 V2 parce que pour la N23 V2, il vous suffit de copier le dossier D-Win7 sur la carte SD et de l'insérer dans son port sur l'écran avant de flasher. Mais pour la N23 S1, c'est un peu différent. Je vais vous montrer. Voilà, d'abord je vais sur le site web de Creality. Je clique sur télécharger. Ensuite, je vais dans la section de la série N23. Je choisis la N23 S1. Et puis, je clique sur le fichier. Et puis, je clique sur le lien pour télécharger le micro-logiciel. Voilà, une fois le téléchargement terminé, j'extrais le dossier. Sur le bureau, par exemple. J'ouvre le dossier que je viens d'extraire. Ensuite, j'ouvre le dossier private pour vérifier si les fichiers et les dossiers sont bien là. Donc, ce sont ces fichiers et ces dossiers-là que je vais copier sur la carte SD. Donc, je copie tout le dossier sur la carte SD. Voilà. Maintenant, je peux passer à l'imprimante. D'abord, je débranche l'écran LCD et puis je l'ouvre en enlevant les quatre vis derrière. J'insère la carte SD dans son port, puis je rebranche l'écran. Voilà, maintenant je vais allumer l'écran. Et voilà, donc vous voyez que les différents éléments sont en train d'être écrits. Donc je vais attendre que le flashage se termine. Voilà, le flashage est terminé. Maintenant, je vais éteindre l'imprimante. Je retire la carte SD. Et maintenant, je vais rallumer l'imprimante pour vérifier que le flashage s'est bien passé. Et voilà, comme vous pouvez le voir, l'écran LCD est bien flashé. Maintenant, je peux refermer l'écran et le remettre en place. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et appuyez sur la cloche pour les vidéos à venir. Merci beaucoup.